Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette rencontre. Les deux équipes sont prêtes, l'arbitre aussi. Et je peux vous assurer que les supporters sont déjà bouillonnants. Ce n'est pas une surprise, notez bien, c'est quasiment toujours le cas ici. La météo a un peu capricieux aujourd'hui, il faut le préciser. Espérons qu'on assiste quand même à un déluge de buts. En attendant, on a beaucoup parlé météo. Nous parlons maintenant plus que de ballon. Les supporters de la Roma sont venus en nombre dans ce gigantesque Stadio Olimpico. Si vous nous rejoignez, le coup d'envoi vient juste d'être donné. Peut-être une occasion pour Dzeko. El Shaarawy. Le ballon dans la profondeur. C'était bien essayé, mais il ne trouve pas le partenaire. Bonne intervention, ça pouvait créer le danger. Il a de l'espace. Et il cède sous la pression. Locatelli. L'Atalanta qui s'était imposée lors de la dernière confrontation entre les deux équipes et espère bien remporter une nouvelle victoire aujourd'hui. L'Atalanta qui essaye de construire. Et ils essaient de repartir de derrière. L'Atalanta, le match est déséquilibré en termes de possession, mais toujours pas le moindre tir. C'est bien donné. Il y a danger. Il peut frapper. Ah, mais c'est... Quelle précision, le gardien ne pouvait rien faire. Sur ce genre de frappe, il n'y a qu'une chose à faire, applaudir. Bravo. Ils ouvrent le score dès les premières minutes de cette rencontre. Federico Fazio. Oh, voici Dzeko dans la profondeur. Ça pourrait être dangereux jusqu'au bout. Oh, j'ai quand même en foulée. Ça va être un beau match. Oh, il était bien placé ce ballon, tout simplement imparable. Oh oui, super tir. C'est de faire son cinquième but de la saison. Et ça repart du rond central, égalité parfaite. C'est une équipe de caractère, ça se voit. Ils n'ont pas baissé les bras après avoir encaissé le but. Ils ont égalisé dans la foulée. Chapeau. Il peut centrer. C'est un match intéressant et équilibré jusqu'ici. Pellegrini. C'est joué long. Oh, voici Dzeko. Pellegrini. Avec Verretou. Dzeko. Dzeko. C'est repoussé. Il a bien joué le coup, mais ça ne rentre pas. Oh, il centre! Difficile de tirer. Énorme occasion! Quelle passe! Dans la profondeur, bien vu. Oh, il y avait danger, mais il a bien jailli. C'était une bonne intervention. Ça joue long.
Joli tir, ça méritait d'aller au fond. Ah là là, pas de bol. C'est dommage, mais il faut vraiment cadrer à tout prix ce genre de frappe. Minutes au chronomètre dans cette première période. La passe dans la profondeur. Il y a peut-être un coup à jouer. Oh, un bon centre devant le but. L'interception, bien joué. Il a un peu de liberté. Un ballon intéressant. Cette attaque n'a pas pu se développer. Locatelli qui a un peu d'espace. Ça, c'est une interception parfaite. Zaniolo. Long ballon dans le sens du jeu. Et voici Verretou. Il allonge le jeu. L'assistant lève son drapeau. Ça joue long vers l'avant. Il relance côté droit. C'est joué dans la profondeur. Oh, l'aspiration! Le but pour l'Atalanta. Et il passe devant. Tout seul dans la surface, l'issue était presque certaine. Il a bien exploité l'espace devant le but et à partir de là, c'est très difficile de l'arrêter. But! Doublé. Ils sont devant maintenant au tableau d'affichage. Il allonge vers l'avant. Cristante. Ce ballon bien dosé. On joue sur l'aile, il est servi. Bien, la profondeur. Dans la boîte. Oh, ce centre qui n'est pas passé très loin. Je n'ai pas compté les centres d'arène, mais il y en aura eu un paquet aujourd'hui. Vous avez raison, et cette équipe joue souvent comme ça. Et quand on a un bon joueur de tête dans la surface, ou un coéquipier capable de la reprendre et de voler, ça va vite faire mal. Il tente de la jouer dans l'espace. C'est dégagé loin. Locatelli. Le soutien derrière lui. Ça peut être dangereux. Le gardien peut s'estimer heureux de ne pas avoir pris ce but juste avant la mi-temps. Un seul but de différence au tableau d'affichage après ce gros coup du sort, juste avant la pause. Moi je trouve qu'on a vu une première période ouverte et équilibrée entre deux équipes qui n'hésitent pas à prendre des risques pour faire la différence. Vivons la suite. Et trois buts dans cette première période, le score 2 buts à 1. Et c'est reparti. Josip Iličić. Pérez. Il s'enfonce côté droit. Le bon dribble. Faut tirer là. Bien repoussé par le gardien. Oui, quelle intervention. Honnêtement, moi je la voyais dedans. Corner dans cette rencontre. Bien, un peu de répit. Oh, ça peut être dangereux. Attention, la frappe! Allez, essayez d'être.
d'être précis, toucher un coéquipier. Pérez, quelle présence du gardien. Un grand dégagement le plus loin possible. Bien travaillé, il peut frapper là. Encore, il peut frapper. Oh, le poteau. Bah oui, enfin. Oh, maintenant, ça poteau, va poteau, goal. Quelle envie, il s'est jeté sur ce ballon. C'est vrai qu'il est plus rapide que tout le monde, mais la défense est restée trop passive. Voilà, avec deux buts d'avance. J'ai l'impression que leur entraîneur est un peu plus détendu sur le banc. Deux buts d'avance, c'est bien. Mais attention à ne pas s'arrêter de jouer là. Dans la profondeur, il prend sa chance. Oh, mais quelle parade! Incroyable, oui, oui, oui. Ça semblait se diriger tout droit au fond. Un peu d'air. Pérez. Il s'échappe. C'était chaud. Tant qu'on le garde dos au but, il est inoffensif. C'était bien défendu, ça. Pellegrini. Federico Fazio qui cherche la profondeur. Bien joué, ses passes en profondeur sont toujours dangereuses. Oh, ce jeu de passe, quel régal! C'est joué long. Pérez, le centre devant le but. Et la touche maintenant. La Roma qui utilise les forces de son effectif. Un joueur créatif qui rentre, ce n'est jamais une mauvaise nouvelle. Bien servi. C'est une occasion, ça. Oh, quel goal. Voilà, qui met sans doute un terme définitif à tout suspense. De très très loin, il n'a pas eu peur. C'était vraiment un boulet de canon. Le gardien n'avait aucune chance, il n'a rien à se reprocher. L'occasion de procéder à un changement. Il mène largement au score, c'est le moment rêvé de faire entrer un jeune joueur pour qu'il engrange un petit peu d'expérience. Trois buts d'avance, de quoi respirer un peu plus tranquillement. Zaniolo, il récupère le ballon, c'était un bon pressing. Zeko! Oui, c'était puissant. Bien joué. Il y aura donc touche. Ça va sur l'aile. Mkhitaryan. Il a trébuché sur cette intervention. S'impose physiquement pour récupérer ce ballon. La faute.
El Shaarawy. Mkhitaryan. Un long ballon vers l'avant. El Shaarawy. C'est joué dans l'espace. C'est bien fait ça. Bien joué ça. Pellegrini. Il joue en profondeur. Pellegrini, il a de l'espace. Et danger écarté grâce à l'intervention du défenseur. Ce sera un corner. Quelle détente! Et ça finit au fond! Oh, le match est peut-être relancé avec ce but! Il était bien tiré ce corner et le timing parfait! Beaucoup de sang-froid pour mettre cette tête. Le geste était parfait. Zaniolo qui a inscrit son 6e but de la saison au championnat. Et s'il parvenait à revenir dans ce match? Oh, bon tacle! Ça manque un peu de précision. C'est joué long, attention. Il tire. Ils auraient pu tuer le match là. Aïe aïe aïe, ils auraient pu tuer le match. C'est presque impossible de remonter 3 buts de retard. Ce ballon sur l'aile. El Shaarawy. C'est centré dans l'axe. Attention, coup franc dangereux à suivre. Où ça te craque? Où ça te craque? Ça te craque? Ça te craque? Il faut revenir sur le jeu. C'est la bagarre! Mon Dieu, c'est la bagarre! Non. 3-4. Je peux plus encaisser là. Il l'a placé exactement là où il le désirait. C'est bien joué, ça. Mais c'est un bon match, je dis que ça allait être un bon jeu. Oh, l'efficacité diabolique, hat-trick pour lui aujourd'hui. Et les défenseurs doivent avoir la voix marre de lui. Il les a fait tourner en bourrique pendant tout le match. Alors là, toutes les conditions sont réunies pour une fin de match explosive. Il rejoue derrière lui. Il prend sa chance. Oh, la ballon, dévié. Allez. Ouais. 3-5. On a vu la situation, c'était obligé de se terminer comme ça. Erreur de communication ou de concentration, je n'en sais rien. Mais en tout cas, il faut trouver des solutions et vite. Locatelli qui inscrit là son premier but de la saison. Ouais, ils ont certainement assuré la victoire avec ce but. Dans la profondeur vers Locatelli. Quelle frappe! Oh, quel bel arrêt! Oui, il était bien concentré. Bravo! Zaniolo. Il y a du espace là. Mkhitaryan en retrait pour repartir proprement. Cristante. Il cherche la profondeur. Il reçoit le ballon. Quelle inspiration! Il est en bonne position pour centrer. C'est bien intercepté. Pedro. Pedro! Et le match s'achève.